Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Xperia. Il a une belle surprise que j'ai remarquée ce matin. J'avais posté une vidéo le matin. Il y avait du son, mais très très légèrement. Donc là, ça y est, c'est bon. J'ai mis mon casque. Donc voilà, je vous présente le bug qu'il a. Donc, il veut dire, vous pouvez toujours appuyer sur le clavier, sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de l'éteindre, par exemple, j'appuie à fond. Vous voyez, j'appuie quand même. Donc là, je suis sur un jeu. Ça s'appelle jeu domino. Domino, et ça fait casser des trucs. Mais bon, bref, voilà. Donc, j'ai une petite surprise. C'est que il a bugué totalement ouvert. Donc, je ne peux pas l'éteindre. Je suis obligé de laisser complètement en train de mourir. Et en même temps, bah, j'ai mon petit voyant qui m'indique comme s'il était en train de charger. Et donc, pour l'éteindre, eh ben, je suis obligé de le laisser pendant presque 2-3 jours ouvert comme ça, sans le charger, jusqu'à qu'il soit épuisé. Donc la surprise, bah, je suis obligé d'attendre. Donc les coups de téléphone dans le vide, tout simplement. Et bah, je vais attendre. Donc, c'est le petit défaut quand même des téléphones à batterie. Parce que ça, c'est un téléphone qui est en forme de batterie. Hein, c'est pas, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas enlever la batterie pour démarrer le téléphone. Donc je suis obligé de le laisser comme ça. Donc, tout simplement, bah, voilà la surprise de mon téléphone. Donc, je vais laisser mon petit Xperia, bah, il fonctionne, mais là, il est tout un bug total, vraiment total. Et avant, j'avais un bug comme ça, mais dans le noir, sombre, ça veut dire comme s'il était éteint. Fallait le faire un coup de, pour, il fallait le charger pour qu'il fonctionne, pour qu'il redémarre. Et là, c'est tout le contraire, ça veut dire qu'il faut le laisser éteindre. Faut le laisser jusqu'à s'éteindre, jusqu'à un certain moment. Bon, j'avais envie d'aller à Auchan pour essayer de voir s'il peut me faire un petit coup de pouce pour essayer, mais c'est pas la peine, je sais très bien, je connais la réponse. Voilà. Et ben voilà, tout simplement la petite vidéo que j'ai à vous informer. Désolé pour la vidéo que j'avais mise ce matin, qui était quasiment à moitié sourde. Ça veut dire que le casque était posé sur l'ordi. Et je croyais que j'avais installé le micro extérieur. Bah non. Voilà. Bah je suis désolé. Merci et surtout bonne continuation. Bye bye et à la prochaine vidéo.